qui est passionnant avec Louise Michel, en fait, c'est de retourner à ce qu'elle a écrit, à ce qu'elle a fait, à sa radicalité, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui s'appellent Louise Michel, il y a des bâtiments, des maisons de retraite qui s'appellent Louise Michel. Donc la République l'a aspirée, institutionnalisée, et se l'est un peu appropriée, alors qu'au fond, moi, j'ai beaucoup travaillé dans les archives officielles, la police notamment, et la République, de son vivant, n'a cessé de la poursuivre, de la traquer, de la mettre en prison, de la juger. C'est exactement, c'était une figure, c'était l'anti-figure officielle. Et donc j'avais envie de lui rendre cette radicalité, et puisqu'aujourd'hui on ne supporte plus la radicalité, je trouve que c'est intéressant de la retrouver via les écrits à la vie de Louise Michel. Ce qui rend tout ça très actuel, c'est au fond, on est dans la fin du 19e, puisque Louise Michel, elle émerge comme ça, soudainement, de la Commune, qui est la dernière des révolutions françaises, et qui est le théâtre d'une vraie guerre civile qu'on ne nous enseigne pas assez. Et ce qui rend très actuel, c'est qu'au fond, c'est le monde qui naît, qui s'installe à ce moment-là, c'est le monde dans lequel on vit. Alors, bien sûr, il s'est mondialisé et tout ça, mais c'est un monde, c'est une économie industrialisée, c'est le capitalisme, c'est un ordre économique, en fait, et qui s'installe et dans lequel on vit toujours, et qu'on a toujours du mal à comprendre, à réparer, à amender. Et donc, dans les impasses, ce sur quoi bute Louise Michel, c'est des questions qui sont toujours là aujourd'hui. La domination sociale, l'enrichissement des uns, la misère des autres. Et c'est le moment où émerge, elle est plutôt gorgée d'utopie, en fait. Hein. C'est vraiment le siècle de la poésie et de l'utopie, le 19e. Et le 20e, c'est celui qui va transformer l'utopie en idéologie. Et nous, on est dans le 21e, où finalement, l'utopie est morte, les idéologies ont fabriqué des... les idéologies, disons... progressistes de cette fin qui émergent de cette fin 19e ont fabriqué parfois des systèmes totalitaires. Le capitalisme s'est installé, mais il a fabriqué des sociétés très inégalitaires. Donc, réinterroger tout ça, en fait, les questions sont toujours là. Et c'est les questions que se pose Louise Michel et d'autres avec elle. J'ai voulu, dans ce livre, parler d'elle, mais aussi de tout un tas de gens qu'on a un peu oubliés. Ben, les écrits les plus importants de Louise Michel, c'est ses mémoires. Et elle a écrit des romans, elle a écrit des poèmes, mais ce qui vieillit le mieux, c'est ses mémoires. Et c'est son histoire. Et donc, rien que son enfance, qui nous emmène au milieu du 18e, du 19e siècle, puisqu'elle naît en 1830, en Haute-Marne, elle grandit là, dans un château, fille de domestique, bâtarde, mais protégée, instruite par les maîtres de la maison, qui sont sûrement ses parents, voilà, son père. Donc ça nous emmène dans une France qui a fait la révolution de 1789 et qui est complètement orpheline de ce grand moment de soulèvement. Puis il y a eu la Restauration, il y a d'autres révolutions, 1830 quand elle naît, bon elle n'en est pas consciente, 1848 elle en entend parler. Et donc en fait c'est un siècle qui n'arrête pas de réinterroger son passé, une révolution inachevée et qui veut la continuer, la prolonger. Et donc les écrits de Louise Michel, c'est à la fois les rêveries d'une jeune fille qui va écrire à Victor Hugo et qui va instaurer d'ailleurs avec lui une correspondance toute sa vie. Et cette correspondance, au fond, c'est une correspondance sur la révolution. C'est comment changer le monde, en fait. Et c'est en cela que c'est toujours d'actualité.